C'est parti entre l'Olympique de Marseille qui donne le coup d'envoi et le GF 38, l'équipe de Grenoble en tête de son groupe de CFA qui vise la montée en nationale à la fin de la saison. Elle n'inquiète pas Brice Samba. Et c'était premier ballon pour André-Pierre Gignac. Après 5 minutes, il est passé. Le capitaine marseillais, le ballon retrait peut-être. Et l'ouverture du score à la 6e minute. Signé André-Pierre Gignac sur un raid solitaire. Il touchait son premier ballon et il trompe Paul Cattier. L'Olympique de Marseille mène à 1-0. Regardez, il élimine. Regardez comment il élimine facilement. Et il dribble. Voilà. Et là, il va rentrer. Il prend deux vitesses. Tout le monde, il rentre sur son pied droit, donc on ne peut pas commettre de faute. Et voilà, il vient cadrer d'une frappe assez forte. Nassim Akrour attend l'arrivée de Tchenkoua, il est servi. Fabien Tchenkoua, il est très rapide, balle au pied, il a une solution en retrait, il choisit la frappe devant le but. Et l'égalisation signée Nasrallah. Oh, la réaction des Grenoblois qui n'a pas tardé. Justement, il a attendu l'appel de Mourad Nasrallah. Et on va voir, regardez ce petit appel devant qui devance Lemina et qui vient fusiller le gardien marseillais. Mathieu Haï. Trois joueurs Grenoblois et le ballon qui profite à Gignac, pas de position de hors-jeu. Gignac qui remporte son duel avec Paul Cattier pour le deuxième but marseillais. L'OM reprend l'avantage de buts à 1 à la 33e minute. André-Pierre Gignac est la démonstration exacte. Ah, il profite d'un contre, hein. C'est un contre grenoblois. Et dont vous profite André-Pierre Gignac pour le deuxième but. Il y a l'entraîneur grenoblois et l'arbitre principal qui sont en train de parler. Pour Olivier Scaraglia, c'est évident, il y avait hors-jeu. Il y a un contre, c'est délicat. Et puis regardez, il a le temps de lever la tête, André-Pierre Gignac. Et peut-être à Lemina de se projeter un peu plus. Attention, Nasrallah qui déclenche une nouvelle frappe. Et le ballon n'est pas rentré. Brice Samba en difficulté. Et ça termine au fond de filet sur cette reprise de Forest Hachi. Gros moment de flottement dans la défense de l'Olympique de Marseille. Ouais, surtout ça ne me surprend pas. Hein. J'avais vu les Marseillais rentrer. En marchant en deuxième mi-temps, là, ils se sont un petit peu déstabilisés. Regardez, ils sont tous spectateurs et pas acteurs. Le ballon là qui frôle de rentrer une première fois. Là, et on perd le duel à la tête. Attention, il ne faut pas s'arrêter de jouer là du côté de Grenoble. Payet, Thauvin, un contre un. Va enrouler côté gauche. Ah, il peut décaler, Djadjadjé, avec ce centre pour Ayou. Et le ballon qui termine au fond des filets. Le but est accordé pour l'Olympique de Marseille, but signé André Ayou. Qui est de hors-jeu, regardez. Ah, c'est limite, c'est limite, c'est très limite. Révélateur. À quelques centimètres. Ouais. Hein, Et vous le voyez, il y a tout le banc marseillais qui est en train de parler, notamment à Brice Djadjadjé. Et le capitaine, normalement, c'est Steve Mandanda, il a dit « Nicolas, on ferme tout ». C'est adressé évidemment à Nicolas Nkoulou. Allez, il faut vite mettre ce ballon aux abords de la surface de réparation marseillaise avec Tchenkoua. Sur le côté, Christopher Jouffreau, le centre attendu du premier poteau, la tête. Oh là là là, extraordinaire. Extraordinaire. L'égalisation. Salim Bendriba, le capitaine, qui égalise sur ce centre de Christopher Jouffreau. 3-1. On va donc assister à une séance de tir au but. Et il vient marquer ce but, mais regardez ce but extraordinaire. Mais alors, et c'est vraiment... C'est ça la Coupe de France, c'est ça la magie de la Coupe c'est de France. Capitaine, c'est le capitaine Selim Bendriba qui avait vécu l'épopée de Chambéry en 2010-2011. Chambéry avait éliminé Monaco, avait éliminé Brest, avait éliminé Sochaux et était tombé en quart de finale, ici même au Stade des Alpes contre Angers. On connaît l'importance des tirs au but, surtout. Il a 21 ans, Florian Thauvin, elle est là. Oh, et c'est sorti. Oh, c'est terrible là pour le jeune joueur marseillais, terrible. Je peux vous dire qu'il y a la pression. La balle de qualification pour Nasrallah. C'est fait. Grenoble se qualifie et réussit l'exploit de ses 32e de finale. L'Olympique de Marseille, meilleure équipe française de cette première partie de saison, éliminée dès son entrée en lice en Coupe de France, éliminée au tir au but 5-4 par une équipe de CFA.
le GF 38